Hello and welcome to the Mega Breadvan channel. Greetings from Brantome in the Dordogne. We're here as per usual really, because if you look at some of the previous videos you'll see that we've been here before quite a few times. We got married here too. But it's where Madame MB's father was from, and so we're here quite often. So this afternoon, or this evening I think it is now, you'll see us on a boat trip around the Drone, which is the river that goes around the Ville, the town, the ville of Brantome. So I hope you enjoy it. Ça glisse, attention. Attends, je fais comme ça. Merci beaucoup, merci. En fait, j'aurais plus d'allonge avec moi. Non, c'est trop l'allonge. En fait, dès le 8e siècle, des moines se sont installés dans les grottes qui sont situées derrière l'abbaye. Plus tard, ce sera Charlemagne qui fera construire ici le premier monastère pour ses moines. La ville de Brantome est une île entourée par l'eau. D'un côté, il y a le canal et après le barrage, c'est la rivière de la Drone qui englobe le reste. Pendant la guerre de 100 ans, la ville a été occupée plus de 20 ans par des Anglais, tandis que l'abbaye elle était française. On peut imaginer qu'il y avait vraiment d'énormes tensions de chaque côté du canal. Ça peut être sympa le dimanche à la fête de la bière. Sur votre gauche, nous avons l'abbaye. Si on regarde un peu plus en hauteur, on aperçoit un très grand clocher que l'on appelle un campanile. Savez-vous ce que c'est un campanile? Voilà, mais je m'étais promis que le premier qui répondrait restaurant, je le mettrais à l'eau, c'est le Normand, bravo. J'ai droit à tous les cours, merci monsieur. En fait, c'est simplement un clocher qui n'est pas collé à l'église, voyez-vous. C'est séparé de l'édifice religieux. Celui-ci fait à peu près 40 mètres d'auteur et il est posé sur plus de 6 mètres de roche. Et on pense que c'est l'un, voire le plus vieux campanile de France, vu qu'il date tout de même du 11e siècle, il a 1000 ans. C'est un vieux monsieur. Sur votre gauche, ancienne place de la gare. Avant, un train à vapeur passait par ici, il allait jusqu'à pied de... Il mettait environ 3 heures le train pour faire les 30 km. Alors qu'aujourd'hui, nous y sommes en 25 minutes en voiture. Il reste au plus loin de la gare à part la petite maison rien qu'on aperçoit après les terrasses. Si vous souhaitez la visiter, c'est tout à fait possible et gratuit, vu qu'aujourd'hui, ce sont des toilettes publiques. Voilà, voilà. Grande histoire d'amour pour entamer les toilettes. Thank you.
aurait pu coller sur les témoignages de père en fils sur Brantôme, mais ce n'était pas le cas. En fait, on dirait pas comme ça, mais cette bâtisse ne date que de la fin des années 30. Le propriétaire de l'époque aurait aimé construire comme un hôtel ici. Ce que vous voyez aurait dû être la réception et l'hôtel aurait dû se situer avec les grottes qui sont derrière. Malheureusement pour lui, la Seconde Guerre mondiale est arrivée, il a dû stopper les travaux et en plus c'était assez dangereux car très inondable, vu que l'accueil a été édifié sur un canal datant du XIIIe siècle. Quelle bonne idée. Aujourd'hui, les nouveaux propriétaires ici restaurent, organisent des petites festivités comme des anniversaires, des mariages, des baptêmes et des enterrements. Deux vies de garçons et deux vies de jeunes filles. On parle toujours de festivités, je reprenais juste mon souffle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un souffleur de verre dans les grottes sur votre droite. On peut rentrer gratuitement pour voir l'exposition, c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Si vous avez 5 minutes que vous venez à Brantôme, faut pas louper ça quand on vient à Brantôme, ça serait bête. En plus, j'ai 5% de commission pour tous ceux qui viennent de ma part, alors surtout n'hésitez pas, monsieur. C'est là, désolé. Pour finir, face à vous, le pont coudé. Unique pont en France à avoir cette forme. En fait, vu du ciel, il faut un peu comme la lettre L, hein, ça forme un coude. Tout au bout à gauche, là-bas, il y a un angle droit. Et ensuite, il y a un bras qui part à la perpendiculaire dans le parc des Moines. Thank you.
So thanks for watching. I hope you enjoyed this short film. Really pretty round here, and I hope you enjoyed some of the footage that I managed to take. So take care of yourselves, and I'll see you soon. Bye. Support. Mega. Red. Van. Here.